YouTube et bienvenue sur Immersive TV. Hey yo, j'espère que tout le monde va bien. Ici Mutsu avec Kate, avec Mel, avec le robot donc qui s'appelle Mel, et avec Bobby sans nez. La goule, vous vous souvenez, qui n'a pas de nez. Oh là là. Du coup, quand elle éternue, elle en fout partout. Ah. Et donc, on a exploré ce labyrinthe de la mort qui était en train de me faire devenir fou la dernière fois. Avec cette putain de radio là. Alors. Donc, j'étais venu ici. Et j'avais fait spawn des méchants. Voilà, ils sont là. Bobby, passe devant. Négatif, je suis une mythe en pile au vert. Je répète, je suis une mythe en pile. Oh, il a tout tiré par terre. Attends. D'accord, clairement. C'est bon. Oh, il y a un jet de vomi qui passe par la porte là, assez conséquent. Moi, vous allez m'excuser, mais je vais vous laisser vous démerder en fait. Voilà, concrètement. Boum. Allez, l'autre avec son couteau derrière. Oh putain. Boum. Boum. Je suis pas d'angle de tir. Voilà, là, par la gauche là. Regardez-moi ça. Tête. Il y a une petite tête. Oh. Oh. Qui dépassait. J'attends un peu, je fais remonter les péages. J'ai vu que j'avais. Oh, il m'a vomi dessus. Oh. Bordel. Ah, regardez. Tête. Ah non. Ah, c'était la patte et je l'ai raté en plus. Dommage. Hey. Quel combat de merde. Hey. Mais non. Hey. C'est comme ça qu'on fait. Ok, Bobby. Tiens, prends un mouchoir. Bon, tout le monde va bien, ça va? Kate, c'est bon? Ça a l'air d'aller. Let it snow. La musique dans Die Hard. Venez à Los Angeles, qui disait. On passera Noël en famille. Génial. Trop bon. Ouais, pas qu'avec les épingles à cheveux, bébé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Ben voilà, il y avait juste un corps. C'est toujours ça de prix, non? Pour mon armée de corps. Alors, on a un chemin qui continue ici. Là, on a un entrevêtement. Enchevêtrement, voilà. Merci. De tuyaux. Des gros tuyaux qui devaient servir à l'évacuation de des eaux usées. Hein. Oh putain. Oh, quel con. Je suis pas bien, les amis. Je vais. Oh putain. Tout ce qui arrive. Bien. Hello, the world's getting frau. Tiens. Yeah. Tu vas mourir. Mim. C'était stupide. Mon Dieu. Allez-y les filles, je vous couvre. J'ai plus de balles. Oh merde.
Ah, c'est la merde. Boum. Allez. Ah, j'ai pas envie de mettre une balle dans le dos, allez, parce que bon. Heureusement que les PNJ de quête sont pas mortels, hein, concrètement. Quelle histoire. La seule chose qui est mieux que la picole, c'est la baston. Ouais. T'es pas d'accord ? Non. J'aurais bien une petite idée, mais je suis pas sûr que je puisse en parler sur YouTube. Oh, 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 oh. Quelle est donc cette chose putride, baveuse, aqueuse, dégueulasse qui m'a soufflé un jet de radiation dans la gueule? C'est très dégueulasse. Alors, attendez. Cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Non, je suis pas passé par là. Négatif, négatif. Donc ça serait par là. Ah. Il faut qu'on passe par ici, mais... Ça marche. Sonia. Sonia. Merci, Soso. Attention à l'espace entre le marchepied et le quai. Intrigant. Ouais, je suis déjà venu ici, les amis. Donc ça veut dire que j'ai fait un tour. Un tour sur... Pas sur moi-même, mais... Oulala, oui, on est clairement venu ici déjà. En même temps, j'ai pas looté. Étrange. C'est pas de moi, ça. Et pourtant... Ici, on est déjà venu. Je crois que je reviens en arrière même, non? Oh là, oui, clairement. Clairement, oui, je me souviens de cette pièce. Ok. Somewhere over the rainbow, rain is falling. Je ne connais pas les paroles. Ok. Dreams after dreams. Nanana. Je suis perdu dans le métro. Oh. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Non, c'est pas de là que je viens plutôt. Ouah, je suis complètement perdu, les amis. C'est un labyrinthe, Kate. Pour votre sécurité, merci de ne pas vous appuyer sur les portes. Donc je sais ce que je vais faire. Quand on est perdu, la meilleure des solutions, c'est de rebrousser chemin jusqu'au dernier endroit connu. Donc. Par là. Par ici. Par ici. Ici. Et... par ici. Oui. Voilà. Voilà. Très bien. Parce qu'ici, après, il y avait un chemin de mémoire. Non ? Par ici, Mel. Sonia, tu sais ce que t'as à faire. Salut, toi.
Un flingue chargé et des capsules plein les poches. Ça, c'est la grande vie. Yeah, baby. Tu te sauvegardes, hein? Ça pue le piège. Ah! Hi, hi. Pardon. Ah, ah. D'accord, super. Bon, alors. Soin, Tagala. Right away. 1-2. Hop là, un petit slum. Ça me donne envie de rester au lit toute la journée quand je pense comme ça. Ouh, coquinette. On a dormi tous les deux à côté d'un squelette avec Bobby, l'autre avec son... C'est dégueulasse. Tu vas te trimballer ces merdes ? Oui, chérie. Allez, Mel. Dis à Sonia. Elle a du boulot. What ? En plus, c'est derrière, là, je vois le point de mission. Allez. Mel. Si Bobby nous a indiqué le bon chemin, ce dont je doute un peu, la chambre forte devrait se trouver après ça. Si oui. Vous reste quelque chose à faire dans ce tunnel, je vous conseille de vous en occuper maintenant. C'est bon, j'ai fini. Vas-y. C'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Prête, Sonia ? Always. Ah, je l'allais dire, putain, ça va pas marcher. En fait, si. Allez, let's go. Oh, riders getting free. Riders getting free. Ah, faut parler à Bobby. 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 Super, j'ai les chaussettes mouillées. Oui, bon, bien sûr. Ouais. On est juste en dessous de la chambre forte de Diamond City. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Oui, j'ai je reconnais les piliers de soutenance. Et je crois que Diamond City se trouve un peu plus loin au nord d'ici. Ah. Ça ne fait aucun doute. Tu devrais avoir plus confiance en ton chef. Alors, qui a raison à votre avis ? Ouais. Moi, je pense pas qu'on soit en dessous de Diamond City non plus, mais bon. C'est son opération. On aura bientôt la réponse. C'est vrai. Il n'y a plus qu'à monter. Voilà. Si je me trompe, c'est pas la mer à boire. On trouvera un autre moyen d'y parvenir. Ouais, enfin, selon où on sort... On va toujours trouver le moyen de monter là-haut. Mel, tu crois que ton robot marchera ici ? Regarde un peu autour de toi. Les fondations sont déjà dans un sale état. Une seule explosion devrait suffire à faire s'effondrer le plafond. Eh ben, let's go. À toi de jouer. Il faut pas qu'on reste dans la pièce. Les murs qui s'écroulent, c'est assez moyen. Bonne idée. D'accord. Tout le monde dégage. Sonia ? Prépare-toi à déclencher une explosion à puissance maximale. Allez, viens, Kate. Je sais pas ce qu'ils font là, mais c'est bizarre. C'est parti. Non, il y a Kate encore dedans. Pas le bruit que ça fait. Kate. Non. Vous avez. Ah non, ça va, elle est là. J'ai eu peur pour toi, chérie. Oh, le trou. Ah bah y'a Sonia. De toute façon, on n'en a plus besoin. Mais avec le pactole qu'on va récupérer dans la chambre forte, tu pourras fabriquer un autre robot. Garde la tête sur les épaules. J'ai récupéré son circuit imprimé quand même. Hein. Regarde, il est là ton robot, Mel. Oh, regarde. Je le trempe un peu dans l'eau. Ok. Ça ressemble pas du tout à une chambre forte, hein. Je vais prendre du plus gros calibre, hein, au cas où. Ouais, par exemple ça. Mais j'ai plus de cartouches, quoi, c'est fou. Oh, me pousse pas, toi, hein. Alors, elle est où, Kate, putain? Il m'a pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant ici. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu fais là ? Merde. Oh putain. Sérieusement pouvoir cacher ton petit plan à Hancock ? Il
T'as recueilli, Bobby. Et c'est comme ça que tu le remercies ? Ne l'écoutez pas. Oh putain, ça va chier, les amis. Hancock ? Quel rapport avec Hancock ? Ouais. En fait, comme Mel l'a deviné, on n'est pas dans la chambre forte de Diamond City. Fortnite. Sympa, Bobby. Vous venez d'entrer par effraction dans la réserve de Hancock. Hancock, vous savez, le maire de Good Neighbor. Bon sang, Bobby. Écoutez, je sais que c'est pas ce qui était prévu, mais on peut quand même s'en mettre plein les poches. Non, mais ça va pas, quoi. Se débarrasser d'elle, et on pourra tout rafler. C'est Hancock qu'on cambriole, là. Il a tendance à avoir la rancune tenace. Voilà ce que je propose. Vas-y. Repartez par votre tunnel et on oubliera ce qui vient de se passer. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai du mal à y croire. D'abord, je veux des explications. Qu'est-ce que ça veut dire, Bobby ? Pourquoi vous nous avez menti ? Je savais que personne d'un temps soit peu sensé n'accepterait de m'aider à voler Hancock. Tu m'as menti, Bobby. Les gens en ont affreusement peur. Soit ils bavent d'admiration devant lui. Il se croit invincible. Je voulais lui montrer qu'il a tort. C'est une putain de mauvaise idée, Bobby. Allez, Bobby. Au moins, si on part maintenant, on aura la vie sauve. Je suis pas venu ici pour repartir la queue entre les jambes. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Ok, ça marche. Pas de problème, Bobby. Bon. Moi j'aime bien Hancock, il m'a jamais rien fait. Mais j'ai pas envie de trahir Bobby non plus. Donc. Ah non, on ouvre pas la console. Je sais pas comment on fait pour la. Ah voilà, comme ça. J'aimerais bien juste fermer ce dialogue et pouvoir mettre notre super-héros du futur en costard. Non, oui. Non, je crois pas que je puisse. Bon, on va retenter. Au moins, si... je suis pas venu ici pour repartir. D'accord. J'ai envie de. Allez, je retente une dernière fois. Et si elle veut pas, allez, j'explose. Bobby. Au moins, si on part maintenant. Je suis pas venu ici pour. Voilà, je l'explose. Je suis désolé, Bobby. N'en fais pas une affaire personnelle. Vous nous avez menti, Bobby. Et vous allez le regretter. Vous pouvez pas me faire ça. C'était pas censé se passer comme ça. Non. Tant mieux, en fait. Ça en fait plus pour moi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Bobby. Oh ! Oh, dans le nez ! Mais non, tu n'en avais plus ! Aïe, 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 je n'ai pas du tout la bonne arme pour faire ce genre de choses. Ya ! J'ai pas de PA, pas de PA. Boum. Mais... je peux pas dire que je suis ravi de la façon dont ça s'est terminé. Ouais. Mais Bobby ne l'a pas Bobby volé. Que ce qu'elle méritait. Je sais pas. Elle méritait vraiment de mourir ? Bon, allez. Elle m'a menti. Désolé d'avoir... Personne ne ment impunément. Amotu et Kate, les pacificateurs du Commonwealth. Vous avez fait... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous avez fait le bon choix. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas trop. Si vous changez d'avis, j'ai rien contre une petite baston. Ah ouais ? Tenez, un petit cadeau pour avoir fait le bon choix. Oh ! Oh oui, bébé. Oh, bébé, il est pas si petit que ça, ton cadeau, chérie. Votre loyauté ira droit au cœur de Hancock. Vous devriez aller le saluer vous-même. Oui, genre, on va aller faire ça. Il vaut mieux être dans les petits papiers de Hancock. Level up. Oh bébé, tu as vu ce qu'elle nous a filé ? On va tout faire péter. Oh, 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 oh. Oh la stupidité. Je n'ai pas la clé. Ah ouais ? Attends, bouge pas. Bouge. J'ai toujours cru pas que ma gueule. Il y avait plus de jugeotes que ça. Faut croire que je l'avais surestimé. Elle est pas là. Pour m'acheter un nouveau flingue avec une gâchette haute sensibilité, une crosse en bois. Ah, ce serait cool.
On va bien trouver un truc intéressant. Mitraillette, gilet, pantalon noir. Oh mon dieu, elle était dégueulasse, les gars, regardez. Oh là là. Oh. Mes yeux ont été salis à jamais. Maintenant, quand je serrerai Kate dans mes bras, je verrai Bobby. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Excellent. Bon. Pardon, Kate. Comment je vais pouvoir ouvrir cette merde là? Il doit y avoir du matos là-dedans. À mon avis, c'est Hancock qui a la clé. Et je pense. Je pense qu'il y a moyen de lui voler. Salut. Vous savez que ça protège pas, les gars, vos armures à la con là. Bon. Ok. Allez, go. Ouais, voilà, bon, bah, on a éclaté Bobby, les amis. Je sais pas si c'était la bonne idée à faire ou pas. Enfin, pas vraiment de bonne ou de mauvaise idée. Il y a juste un choix à prendre, je pense, a priori. Hein. J'ai pris le choix de l'éclater parce qu'elle nous a menti. Voilà. Donc, je pense que ça devrait... Vu que Mel est toujours vivant, il va faire passer un peu le mot, il va raconter son histoire et ça va faire peur aux gens. Et du coup, je pense que oui, c'est une bonne chose dans le Commonwealth. Les gens vont commencer à nous craindre. Bon, chargement. Bon, alors on se retrouve où là, du coup? En extérieur. On est où, putain? Chambre forte. Hi. On a un vertiptère là-bas. Oh putain. Qu'est-ce donc que cela? Allez, sors ton arme, tu peux le faire. Tu peux le faire, mon enfant. Allez, fais-nous rêver. Non, bah c'était pas celui-là que je voulais, c'est pas celui-là non plus. C'était celui-là, parfait. Qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air d'être des pillards. Et eux, c'est des confrériens. C'est des confrériens. Oh oui! J'ai envie d'y aller, les amis. Toum. Tête. Oh, raté. Aïe. Je suis vraiment à court de balle quand même. T'as la tête qui tourne, chérie, c'est normal. Swing, swing. Oh, swing. Oui, parce que tu sais, garde. Swing. Je lag. Je vais mourir. J'ai plus de steam pack. Ok, c'est la dèche. Pourquoi je me suis mis à laguer, les amis? Y'a rien dans ce frigo. Négatif. Chut, 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 chut. Toujours caché derrière. Oh, il était à nous, putain, fait chier. Un frappeur super. Ouah, non, pas ça. Oh, mais ça lag, c'est ouf. Bing, bing. C'est le bordel.
c'est le bordel. En 11, merci. Ok, vous voulez jouer au con. Vous voulez jouer au con. Ok. Vous avez pas voulu la jouer souple. On va pas la jouer souple. Willy. Willy. Chérie bébé, pousse-toi. Il va s'écraser. Holy fuck. Est-ce qu'il y a des survivants sur le lieu du crash? Négatif, on dirait qu'ils sont tous morts. Une sale journée pour la confrérie de l'acier. Alors attendez, je vais... Hop, hop, voilà, j'ai coupé, relancé, Fraps. Oh, non. Oh si, bébé. Ça lag toujours, c'est pas grave. Ils sont où les méchants? Ils sont là-bas. C'était là. Ça commence à me gonfler. Aïe. Oh, il y en a un deuxième qui a explosé. Il y a plein de monde là-dedans, en fait. Oh mon dieu. Tic, veuve rouge. Frappeur super mutant. Oui, 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 il y a des trucs là-bas. Rambo. Trop bon. Ah, on y va, hein, Kate. Il en a une autre aussi. Le seigneur super... Aou, 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 aou. Putain. C'est chaud là, hein. C'est chaud là, Stico. Un pain brioché. J'ai planté, non? Non, ça va. Pain brioché. Une poche de sang, je sais. Il faudrait que je les convertisse en steam pack, mais j'ai pas le temps. Aïe, 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 aïe. Putain. Mais je lag beaucoup trop là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est la merde. C'est la grosse merde. Déjà, toi. Il y a son friends à gauche. Tu vas arrêter de nous casser les couilles. Toi, tu passes par là. Je croyais que t'avais pas vu, peut-être. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Excuse-moi. Je n'ai pas le temps. Oh putain, y en a partout. Je suis comment en point de vie? Je suis pas bien. Ok. Soin. Un stack d'écorcheur. Ça, ça va faire la diff, ça. Arrête de bouger, saleté. Ouais, d'accord. Là, il y a le super mutant légendaire. Aïe. Oh là 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 là, quel génie. J'ai complètement abandonné ma meuf. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Ma tête. Putain. J'ai plus de steam pack. Merde. Là c'est compliqué parce que ils m'ont mis un headshot. J'ai plus de steam pack. Je crois pas que je puisse me soigner ma blessure. Ce qui fait que je suis dans une posture assez embêtante. C'est pas un jeu. Ils sont partout, quoi. Raté. Ok.
Donc, viens là, mon gros. Yeah ! Oui, tu vas voir, je vais te montrer moi un petit peu. Oui. Il a pas un steampack sur lui ? Négatif. Je vais mourir. Il faut se soigner. Il faut absolument se soigner. Donc déjà je vais prendre ça. Un petit bourbon, je vais me bourrer la gueule. De toute façon j'ai abandonné Kate. Donc ça va plus du tout. Il y a un truc sur ma droite qui m'allume littéralement. J'ai bientôt plus de balles pour cette merde. Je suis pas sûr que utiliser le... Oh oui quand même. Non, derrière moi. Ah, il y en a là-haut aussi mais... Non ! Putain, c'est chaud. Quel merdier les amis, quel merdier. Ah, mon perso est défoncé. Il a mal, mais il est défoncé. Donc, waouh. Putain. Il va falloir battre un fratin, les amis. Je crois, hein. J'ai pas le choix là. Hein. Hey. Ok. Je te sens, petite fouine. Ouais. Oh oh, il passe sa tête. Ah, regardez. Lol. Ouais, d'accord. Bon, mauvaise idée. Mauvaise idée. Repli stratégique. Bon. Alors j'aime pas ça, hein, être obligé de me replier pour un combat que je ne peux pas gagner, les amis. Ça me plaît pas du tout. Je sais pas où elle est Kate, ça m'emmerde un peu de l'avoir abandonnée. Elle est là. Non, pas du tout, elle est devant moi, ok. Et là il y a plein de monde ici. On est où là? Où est-ce que nous sommes? Ça sent un settlement à... Non? Non, peut-être pas en fait. Bon, ok. Ouh, ça a été bien compliqué. Hein. Donc du coup les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on essaiera d'éclaircir un petit peu plus donc, le mystère par rapport à Hancock. Le maire ghoul de Neighbor. De Good Neighbor. Et aussi, j'irai me venger contre ces super mutants là à cet endroit. Alors attendez, je regarde un petit peu où c'était. Ouais, ça doit être la case de Big John ou le poste de contrôle ou entre les deux, ou par là en tout cas. Donc j'irai me venger, bien sûr. Là, je vais retourner à la base, voilà, pour terminer l'épisode. Je vais retourner à la base, me préparer pour le prochain et vous retrouver donc demain pour la suite des aventures sur Fallout. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à demain. En attendant, portez-vous bien, bye tout le monde, ciao.